Vous avez vu ces bulles? C'est juste à côté. Bienvenue dans le vlog numéro 3. Aujourd'hui, on a un invité parce qu'on a un petit Tahitien. Petit, hein. Ta gueule. Tu fais un mec. Et du coup, c'est lui qui va vlogger pour la toute première fois de sa vie. Donc, je vais lui laisser la parole. Et Yoran Atamato Paura, Yachuru. Tu me feras la traduction après. Et juste comme ça, j'ai pas d'accent. Hein. Juste au cas où. Hein. C'est normal chez nous. C'est nous qui avons un accent. C'est vous, les étrangers. Bande de colonisateurs. Quel bâtard. Ça va peut-être le couper, ça. C'est ça, on aura des problèmes. Enfin, j'aurai des problèmes. Non, tu m'identifies pas. Il y a ces deux-là. Ils sont allés aux Everglades. Il y en a d'autres qui sont allés se balader très très loin en voiture. Et moi, je suis resté à l'hôtel. On m'a oublié. Personne n'a proposé, du coup je suis resté toute la journée à l'hôtel. J'ai glandé, mais ça va, se tient. Ouais, j'ai raconté les ERP. Après eux. On se retrouve aujourd'hui à Wynwood pour une petite balade. On va vous montrer un peu les graffitis, c'était le mot que je cherchais. Les graffitis sur les murs, parce que c'est un quartier très pop culture, donc ça promet d'être un peu sympa. On est en direct de Miami Beach. Ouais, je sais pas ce qui se passe derrière moi, mais ça gueule bien. Ouais, ils se font des courses. Les Américains, ils adorent se faire des courses, je sais pas pourquoi. Je fais une petite intervention pour vous dire que les semaines sont assez chargées au niveau des cours, mais aussi en activité. On a pu assister à un match de NBA. C'était les Miami Heat contre Détroit. L'ambiance était folle, le show à l'américaine, tout ça. Les consos à l'intérieur, j'ai pas besoin de le dire, c'était assez cher, hein, mais franchement, je regrette pas. Je suis super content de l'avoir fait. J'ai vu un des derniers matchs de Dwayne Wade, donc c'est plutôt cool. Là, on a les copains qui s'en vont de la plage sans moi. Ils ont pris mes affaires, c'est parfait, on peut avancer. Ouais, Loïc, il a dit, il veut de bien tenir tes chaussures. Non, elle pue mes chaussures ou quoi? Ok. Non. Ah non. La blague de merde. On a pris tes chaussures mais pas ton sac. Putain, bande de con. Ok. Donc on a assisté à un match de NBA, je disais. Et on a également, enfin j'ai également, avec John qui est sur ma droite, qui sera pas montré à la caméra, avec qui on allait à un stand de tir. Donc j'ai pu shooter, je sais plus. Tu te rappelles avec quoi j'ai tiré? Ouais, j'avais pris le pack israélien, donc il y avait un Humi, il y avait... Ah ouais, on a eu un flingue gratos et on avait tous pris un revolver Taurus. Et voilà, enfin ça c'était pareil, c'était un truc qu'il fallait faire en étant au States. Et c'est fait et c'était plutôt défoulant et plutôt amusant. Donc je regrette pas du tout de l'avoir fait. Quelqu'un a un mot de la fin? Scavidia. Pas mal.